C'était très clair, hein? Puis à un moment donné, j'ai rêvé de ça et c'était très, très clair. Chaque particule de mon corps, c'était Val David, puis c'était évident parce qu'il y a plein d'artistes, parce que la nature est magnifique, puis moi, j'aime ça sentir, puis je la sens, puis tu sais, les arbres, ça m'émeut, tu sais, ça me touche, là, tu sais. Ma famille, il y a 4 générations qui sont nées en Afrique du Nord. Que ce soit en Tunisie, en Algérie, puis Maroc. On est un mélange de français, italien, espagnol. Mais moi, je suis née à un moment donné en France, parce qu'à un moment donné, au niveau politique, ça a été très violent. Donc, elle s'est sentie plus en sécurité pour m'avoir là. Mais après, on est retourné. Donc, moi, j'ai peut-être vécu 11 mois au Maroc. On est parti et ma famille, des deux bords, ils ont presque tout perdu. Donc, c'est pour ça qu'on a atterri en France, comme 850 000 rapatriés, je pense. Mais l'accueil a été très moyen. Mon père est décédé il y a 3 ans, et c'est sûr, c'est un homme que j'aimais beaucoup. Mais, ouais, je suis émue un peu de parler de ça. Mais, ben, il a pardonné aussi, tu sais, parce qu'il s'est senti trahi, tout ça. Puis, il a perdu sa terre, puis. Il a même voulu s'enlever la vie après parce qu'il. Moi, c'est ça. Mais c'est ça. Et donc, je suis très. J'ai beaucoup de gratitude dans le fait d'être ici au Québec, tu sais. Écoute, mes parents, ils voulaient aller dans un pays nouveau, neuf, en guillemets, pour refaire leur vie. Une des choses qui était importante pour eux, c'est de nous offrir un avenir, le meilleur avenir possible. Puis, au Québec, là, comme tout a été possible. Moi, je travaille avec la fibre, surtout de la fibre de bois et parfois la fibre de coton, comme j'ai fait une exposition justement à la papeterie Saint-Gilles. Et donc, eux autres, ils voulaient que je travaille avec leur fibre de coton. Et donc, c'est sûr que ce qui, moi, m'allume, c'est vraiment les tableaux parce que j'exprime ce que je ressens. Tu sais, je suis comme en contact avec moi, là, comme ça, là, tu sais, là. Puis, c'est ça que je souhaite exprimer. C'est comme, je fais mon cheminement intérieur, puis je le continue dans mes tableaux. Et écoute, je vais même commencer par, tu sais, les dernières pièces, là, tu sais, celles qui, c'est ça, tu sais, comme celle-là. Et ça fait partie d'une série de pièces, puis ça fait comme une couple d'années que je suis sur cette thématique-là, que j'ai nommée Humanity Lingua Natura. Ça veut dire le lien entre l'humain et la nature, mais entre l'esprit et le corps. Tu sais, comment ce grand questionnement-là, comment être un tout, sentir qu'on n'est pas séparé, qu'on est un tout, et avec le tout. Encore, Maringouin, je suis avec toi, je suis en lien, mais je veux pas que tu me piques. C'est le choix que je fais. Fait que c'est ça. Et donc ce personnage-là est en lien donc avec la nature à travers du poisson. Puis pour moi, le poisson, c'est comme un véhicule. Il revient souvent ces dernières années. C'est tu sais, le véhicule justement entre l'esprit et le corps. Et puis, il y a beaucoup d'amour. Et puis, ça s'appelle le baiser. Et c'est comme, tu sais, le baiser de Klimt. J'ai toujours trouvé ça beau et touchant. Et donc, je travaille ces dernières années, là, plus avec. Bon, ça, c'est du papier, juste du papier. Ça aussi, que j'ai façonné pendant qu'il est encore humide. Et en séchant, il conserve la forme. Il faut juste, c'est comme le sable quand on fait des châteaux de sable. Ça prend un certain degré d'humidité, pas trop, mais pas trop sec non plus. Et ensuite, cette autre partie-là, c'est un mélange de fibres et d'argile. Et donc ça, c'est travaillé à la spatule. Et j'aime beaucoup. Et il y a une vibration dans les fibres qui sont longues qui est intéressante. Et ça, c'est une technique un peu différente. J'ai gravé directement dans la fibre humide avec un petit instrument. Donc, c'est un monotype. Il y en a juste un. Il n'y a pas de plaque gravée.
Et puis, bon, parfois, c'est ça, je fais des petits éléments comme ça en relief. Ici, lui, c'est un, lui, il allie les deux, dans le fond. Il y a le faucon ici. Fait que c'est la danse de l'arbre et l'oiseau. Ils sont même reliés. Puis donc ça, c'est le mélange de fibres et d'argile. Et puis lui, il est gravé. Ouais, ouais. Moi, j'ai étudié au départ en théâtre. Donc au départ, je suis comédienne professionnelle. Et comme toute bonne comédienne professionnelle, en tout cas, comme beaucoup, c'est difficile de vivre avec ça. Et donc, à un moment donné, bon, je rencontre un gars dans un party, chez une amie qui faisait des costumes, Mireille Vachon. Puis, et donc, il m'invite dans son atelier, un peu intéressée. Puis, et puis là, finalement, c'est ça, finalement, il m'a proposé une job et j'ai commencé à tirer des papiers et j'ai aimé ça. Et dans ma famille, mon père, ma mère, en tout cas, et at large, et mes sœurs et mon frère, tout le monde dessine depuis qu'on est petit, là. Fait que c'est quelque chose de présent, là, le dessin, la peinture. Et là, je me suis mise à faire mes propres pièces et ça a fonctionné. Et je me suis détournée du théâtre. Et donc, j'ai été 3 ans apprentie. Et pendant 30 ans, c'est ce que j'ai fait pour vivre. Et la fibre, j'adore parce que c'est tactile. Hein? C'est très sensuel. C'est doux. Ça prend les formes, ça épouse les formes que tu lui donnes. J'ai une technique que j'ai utilisée longtemps où je grave. Et là, je dépose ma fibre humide sur la plaque et je démoule comme un gâteau. Tu vois, celle-ci, elle est faite comme ça. Ça ici, donc, c'est... Ah, je me souviens... Ah oui! Ah, suivre la direction. C'est encore d'actualité. Ma direction d'être en lien, en contact de plus en plus.